Yo tout le monde, c'est Xan Chicha, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour le test et la présentation des nouvelles outils La Renaissance. Allez, sans plus tarder, on va commencer par le déballage de la boîte et les accessoires fournis. Alors, le packaging de cet outil est plutôt élégant. C'est une boîte cartonnée assez douce, rectangulaire, avec le logo du modèle au-dessus et sur les côtés. On a bien sûr écrit ici Ouki et de l'autre côté aussi. Alors sans plus tarder, ouvrons cette boîte. Alors dès qu'on l'ouvre directement, on tombe sur le modèle qu'on a pour ici la Ouki classique. Enlevons ce petit truc là et on tombe directement sur une petite boîte. Et dedans est fourni un chargeur. Alors c'est le même que chez les téléphones Samsung et autres. Et là, un adaptateur bien sûr secteur pour venir sur le recharger directement sur une prise murale. Alors sur cet outil, la première utilisation, comment ça va se faire, ou le remplissage bien sûr du réservoir, vous allez venir dévisser cette partie là. Hop là, ça on met de côté et on vient se baser sur cette petite pièce là qui est le réservoir. On enlève le drip tip et on retourne son réservoir. On vient dévisser la bougie. On prend son liquide et on vient imbiber la bougie de quelques gouttes. Et que c'est fait, on vient replacer la bougie en la vissant. Juste ici, on a un petit téton en silicone qu'on vient retirer. Alors, ça laisse place à un petit trou où on va venir remplir notre réservoir. On insère le liquide à l'intérieur et on remplit doucement. Pas besoin d'aller comme une brute, sinon ça va couler. Pour savoir si votre réservoir est rempli, vous allez voir une petite goutte qui va se former au-dessus du trou. Et là, ça veut dire que votre réservoir est rempli. Vous venez sécher et enlever cette petite goutte et vous remettez votre petit téton en silicone. Ceci fait, vous retournez votre réservoir et vous laissez comme ceci pendant 5 minutes, pendant que le liquide s'imbibe au coton. Après ces 5 minutes, vous avez juste à revisser votre réservoir à votre Ouki, à remettre le drip tip et à tirer. Et après 5 minutes, elle est prête à l'utilisation. Parlons maintenant des améliorations qu'il y a entre l'ancienne version et la nouvelle. Pour commencer, il n'y a pas de bouton, ça c'est plus pratique et on tire directement. Au niveau du réservoir, ça a été amélioré, la contenance du nouveau réservoir est de 6 ml contre 3,7 sur les anciens modèles. On est toujours sur un voltage de 3,7 volts. On a une batterie pour les deux modèles de la Renaissance, la Royale et la Classique, de 2000 mAh. Avant, on avait 900 pour la Classique et 2250 pour la Royale. Le design et la qualité des matériaux. Le design est vraiment magnifique, bien épuré, bien fini, la qualité est presque irréprochable. Il y aura bien sûr quelques points négatifs qu'on verra dans un autre point dans la vidéo. Autre amélioration, la vapeur.
La vapeur est beaucoup plus blanche, beaucoup plus opaque et beaucoup plus abondante que les seconds modèles. Au niveau du airflow, c'est beaucoup plus fluide que les anciens modèles, c'est vraiment agréable à tirer. La prise d'air se fait juste en dessous par trois trous circulaires. Au niveau de la recharge, quand elle est à vide, elle se recharge en environ 2 heures. L'autonomie de la batterie est de 4 heures en continu et environ 380 taf. Pas des grosses taf, mais des taf normales. On a un système de sécurité pour éviter toute surchauffe du produit et de la bougie et du réservoir. Quand vous tirez, ça va se bloquer à 7 secondes. Comme vous pouvez le voir juste ici, au fond, on a un œillet en coton dans la hoquille royale et classique qui entoure la prise de contact de la bougie. Or, si jamais il y a une petite fuite de liquide au niveau de la bougie, et ben ça va venir s'imbiber tout autour de la prise de contact. Or, ça va empêcher les dysfonctionnements, les courts-circuits, etc. Bon point positif. Vous vous demandez sûrement quelle est la différence entre la classique et la Royale nouvelle génération. Alors déjà, la taille, la classique fait 17 cm et la Royale 22 cm. La classique rentre facilement dans une poche de pantalon. Par contre, la Royale, vous la rentrez dans votre poche, ça vous fait une troisième jambe, voire une quatrième par contre. Donc je vous la conseille pas de la mettre dans la poche. Après, le poids, la classique est beaucoup moins lourde que la Royale. Autre différence, la qualité des matériaux. Pour la classique, on a un corps blanc en plastique, bon, assez solide, faut le dire, avec une bague juste au-dessus avec le logo Hookie et le nom Hookie en inox inoxydable. Pour la Royale, beaucoup plus épurée, beaucoup plus noble, on a un corps chrome entièrement en inox. On a bien sûr un témoin lumineux sur la classique en dessous. Et la Royale, on a un témoin lumineux sur le logo. Ça, c'est vraiment joli. Alors, quand on tire sur la Royale, on a le logo qui s'illumine. Quand on vient le recharger, on a le logo qui tourne pour indiquer son rechargement, comme je vous avais présenté la Hookie N. Autre différence, le prix. La classique est à 75€ et la Royale à 150. Or, ces prix peuvent se justifier par rapport au design. Elle a été totalement designée par Hookie et par eux-mêmes. Elle ressemble plus à une simple et bête cigarette électronique comme les anciennes versions. Et elle peut vraiment avoir maintenant l'appellation de chicha électronique, parce que le design est vraiment magnifique. Autre point qui pourrait se justifier pour le prix, c'est la qualité des matériaux. On a vraiment un inox de bonne qualité, un plastique de très bonne qualité, un drip tip agréable en bouche, qui est vraiment résistant. On a moins de coulures de liquide comme on pouvait avoir dans les versions précédentes où on bouffait souvent du liquide. Bon, après, faut vraiment pas remplir le réservoir comme un fou, parce que ça peut arriver aussi sur cette version là bien sûr. On n'a pas de colle apparente ni de vis ni rien. C'est vraiment un produit qui était vraiment bien fini. Passons au point négatif. Premier point négatif, le petit téton en caoutchouc qu'on a vu au début de vidéo au niveau du réservoir pour le remplir est facilement perdable. J'ai déjà failli le perdre. Déjà un point négatif qui est assez contraignant. Autre point négatif, le réservoir. Au niveau du réservoir, il est opaque, donc on ne voit pas la quantité de liquide. On sait quand il est plein avec la petite goutte qui remonte, mais on ne peut pas juger s'il reste du liquide ou non. Mais Hookie m'a laissé entendre qu'ils allaient améliorer
échanger ces deux points négatifs. Déjà au niveau du petit téton en silicone, ils allaient élargir le trou pour qu'on puisse voir s'il reste du liquide ou non. Ils allaient mettre un système de clapet, un peu comme les réservoirs de voiture quand vous venez rentrer votre pompe. Il y a le clapet qui s'ouvre et quand vous l'enlevez, le clapet qui se ferme. Là, ce sera pareil avec la tige du liquide. Voilà. Après, bon, la tête, au bout d'un moment, après quelques mois, elle est morte. Il faudra bien sûr en racheter. Donc, ça ne comprend pas le corps. Ce sera une amélioration qui sera faite au cours des mois, bien sûr. Après, passons bien sûr au point positif. Après, bien sûr, tout ce que je vous ai déjà dit sur la qualité des matériaux ou autres, les gros points positifs de ce produit-là va être l'épaisse fumée. Et les smoke tricks. Vous qui êtes fan de smoke tricks, vu l'épaisseur de fumée et la quantité de fumée, vous pourrez bien sûr vous amuser. Je suis pas fort en smoke trick, pourtant avec ça je peux m'amuser. Je peux facilement faire des ronds, etc. Or moi je préfère la classique, pourquoi? Parce qu'elle est plus transportable, elle rentre dans une poche, une meilleure prise en main et elle est discrète et beaucoup moins lourde. Après la Royale c'est beaucoup plus bling bling, plus luxueux, par exemple pour épater ses potes ou pour une soirée. Après bien sûr ça dépend du design et de la colorie que vous avez, ou par exemple aussi le budget. Au niveau des revendeurs, je vous invite à regarder la description de cette vidéo juste en dessous, je vous mettrai le lien de tous les vendeurs, que ce soit en France ou à l'étranger bien sûr. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo là, j'espère que ça vous a plu, c'était ma vidéo sur la renaissance de chez Ouki Shisha. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en l'air, ça me fera énormément plaisir, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes autres vidéos. Et ciao à tous. Dédicace à Nargis Hunter à Caen et rejoignez le meilleur groupe de Shisha en France, El Diablo Shisha sur Facebook. Lien dans la description. Ciao à tous.